Alors aujourd'hui ici nous sommes à la carrière, ça s'appelle site de Vianne. Nous sommes à Lavardac, à 30 km d'Agen. C'est un site d'exploitation de pierre calcaire, qui est une pierre blanche qui sert beaucoup à rénover tout ce qui est patrimoine. C'est une pierre qui est limite marbrière. Alors cette reprise en fait, elle a été faite avec deux joueurs qui en étaient en activité quand on a monté les statuts de la société. Donc ils sont Jean Moribaud, qui joue actuellement à Bayonne, et après de moi-même, accompagné donc d'un troisième associé qui est une personne à la retraite, mais qui voulait un challenge encore avec des jeunes. Je pensais encore continuer le rugby. J'ai dit il me faut quelqu'un de sûr, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui sache se débrouiller, qui sache diriger, qui sache vite surmonter un petit peu le côté émotionnel. Donc en fait j'ai demandé à Benjamin Sort, qui était un ami. Je lui ai dit si je reprends la carrière, est-ce que tu me suis? Il ne savait pas trop au début, il était très hésitant. Puis à un moment donné, j'ai changé mon discours, je lui ai pas dit si je reprends, est-ce que tu me suis? Je lui ai dit je reprends la carrière, tu viens avec moi. Et là quand je lui ai dit ça, il m'a dit je viens. Ça m'a libéré beaucoup et j'ai retrouvé quelqu'un de confiance comme j'aimais bien avoir sur le terrain. J'ai toujours fait des formations pendant le rugby. J'avais passé un CAP de conducteur d'engin, j'avais tous mes permis poids lourds. Je suis chaudronnier de base. Quand j'ai arrêté le rugby, donc j'ai eu 2 ans où j'ai continué à me former. Ensuite, je suis parti en gravière en tant que conducteur d'engin. Et ensuite, vraiment, j'ai bifurqué. Je suis parti dépanneur poids lourd et VL pendant 2 ans. Puis un jour, Jean et Laurent donc, sont venus me voir en me disant qu'ils voulaient que je sois responsable, sachant que j'y connaissais rien dans la pierre, je me suis formé sur le tas. Aujourd'hui, Benjamin, lui, c'est un ami et ça restera un ami avant tout. Dans l'entreprise, aujourd'hui, c'est vrai que je peux être son patron, entre guillemets, mais avant tout, aujourd'hui, les décisions, je ne les prends jamais sans avoir discuté avec lui. À deux, on est toujours plus fort que tout seul. Benjamin, il a un rôle de responsable d'exploitation, mais demain, il le sait pertinemment, quand la structure sera stabilisée, il prendra des parts. Aujourd'hui, indirectement, il dirige aussi son futur quoi. Moi sur le terrain j'avais tout le temps, les peu de fois que j'ai eu le capitaine dans les équipes, le choix que je prenais, il y en avait un à la fin, c'est moi qui le décidais, mais avant tout j'écoutais les copains sur le terrain et donc aujourd'hui je fais pareil ici. Nous on essaye de garder une atmosphère un peu rugbystique, conviviale, donc tout va très bien. Notre métier c'est d'extraire des gros blocs dans la roche, c'est des blocs qui font de 15 à 20 tonnes pour sortir ces blocs de la carrière et après on vient avec différentes débiteuses dans l'atelier où c'est qu'on vient faire les différentes coupes par rapport aux commandes de nos clients. Je trouve qu'aujourd'hui, cette association-là a une bonne alchimie du fait qu'il y a l'expérience, il y a la jeunesse avec nous, de la fougue de la jeunesse, et il y a l'état d'esprit d'équipe. Et pour moi, c'est primordial dans une gestion.